La tomate, avec ou sans peau? Allez, je vous montre sans peau. La tomate sans peau. On dit la tomate mondée ou émondée. On enlève la peau de la tomate en la plongeant dans l'eau chaude. Mais la règle première, c'est une tomate bien mûre. Si la tomate n'est pas mûre, vous n'allez pas arriver à enlever la peau. Ça, c'est sûr. Une fois que vous avez la tomate bien mûre, petite technique, vous faites une petite incision juste sur la partie arrondie de la tomate. Une petite croix. Un couteau qui coupe très très bien. Si votre couteau ne coupe pas, vous allez l'écraser. Donc juste une petite incision, une petite croix. Voilà. N'enlevez pas le pédoncule maintenant. Ça ne sert à rien. On l'enlèvera après l'avoir trempé dans l'eau chaude. On va en faire deux. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Voilà. Et voilà. Je vais mettre mon eau à bouillir. J'avais déjà préchauffé un petit peu. Important, l'eau à pleine ébullition. Faut que ça boue. Et vous allez voir, c'est vraiment quelques secondes. On a entre 7 et 8 secondes. C'est quand la tomate va s'éclater un tout petit peu que je vais retirer la tomate de l'eau et la plonger dans l'eau froide. C'est pas plus de 10 secondes. Si c'est plus de 10 secondes, vous ne pouvez pas avoir une tomate mondée. Vous allez avoir de la pulpe qui va accrocher à la peau. Et là, c'est plus enlever la peau. C'est on décortique la tomate. Voilà, gros bouillon. Je plonge ma tomate dans l'eau. Faut que ça soit vraiment immergé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vois 7, je retire, je vois la peau qui s'écartèle, c'est hop, je la plonge dans l'eau froide. J'essaye de voir le côté où j'ai fait ma petite croix de la tomate. Quand vous allez voir que la peau s'écartèle un tout petit peu et que la croix s'agrandit, il est grand temps de plonger la tomate dans l'eau froide. On va regarder si on a bien travaillé. Voilà, là je l'ai plongé dans l'eau froide, donc j'avais mis quelques glaçons, ils ont eu le temps de fondre. Voilà, une fois plongé dans l'eau froide, je vais prendre la petite pointe où j'avais fait ma croix. Voyez, regardez, voilà. Et là, on voit bien qu'on a bien enlevé la peau et on n'a pas enlevé la pulpe. Il est là l'intérêt de faire attention au temps que vous mettez dans l'eau. Si vous mettez trop longtemps, ce n'est pas la peau que vous allez enlever, c'est la peau et la pulpe de la tomate. Donc aucun intérêt. Autant garder la peau. Allez, on va faire les deux. Et la deuxième, ce qu'on va faire, c'est regardez même là, vous voyez, elle est tellement mûre qu'on peut apercevoir qu'il y a un peu de pulpe qui s'en va. Donc ça veut dire que c'était limite le temps que je l'ai laissé. On se tente la deuxième tomate et on va la laisser un peu plus longtemps. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vous voyez. Là, j'ai laissé beaucoup plus longtemps et on va voir la différence, elle est énorme, c'est que je vais enlever quasiment toute ma pulpe. Hop, et encore. Et là, je la plonge dans l'eau glacée. Je récupère mon petit couteau. Regardez, là, j'enlève toute la pulpe qui vient avec la tomate. Tout est cuit. Tout l'intérêt de ne pas la laisser trop longtemps. Sinon, vous allez enlever toute... La moitié de la tomate va partir avec la peau. Donc, aucun intérêt. Donc, je vais reprendre ma belle tomate de tout à l'heure. Donc une fois que vous avez enlevé la peau de la tomate, il vous reste plus qu'à enlever le pédoncule. Et voilà. On ne l'enlève pas avant. Ça évite que la tomate vienne se gorger d'eau. Maintenant qu'on a mondé la tomate, à vous de jouer.